Vous fonctionnez comment? C'est comment la fonction suppléant? Comment ça se passe au quotidien? Je crois que le rôle de suppléant, c'est de seconder d'abord un candidat et puis, nous l'espérons, un député. Il se trouve qu'on est dans une circonscription extrêmement vaste, donc c'est d'essayer de seconder le candidat, à être présent là où lui ne peut pas être, le représenter dans des différentes manifestations, aller moi-même à la rencontre des Français, expliquer qui est le candidat, qui sont les valeurs que lui et moi d'ailleurs nous défendons ensemble, et pourquoi nous pensons que la candidature de Philippe Carsenti est celle qui défendra le mieux leurs intérêts à l'Assemblée nationale. Et là, c'est pourquoi ces valeurs et ces points principaux du programme? D'abord, c'est un candidat libre, c'est-à-dire qui n'est investi par aucun parti. Je pense que c'est la meilleure garantie pour les Français de l'étranger d'être sûr qu'il représentera nos spécificités et nos préoccupations, il ne sera pas happé, il ne sera pas pris en otage par des positions qui pourraient nous être défavorables pour des raisons pour des raisons partisanes ou des décisions du parti. Je donne juste un exemple. L'UMP et le PS se sont très clairement, durant l'élection présidentielle, attaqués à la fiscalité des Français de l'étranger. Alors, comment un représentant des Français de l'étranger peut se réclamer de l'UMP et le PS et en même temps demander le suffrage à des gens qui l'entendent taxer, et pire encore, parce qu'au fond c'est peut-être pas la taxation qui est le pire, mais c'est le sous-entendu de toute cette campagne, c'est que nous Français étrangers nous sommes des nantis, nous Français étrangers nous sommes des évadés fiscaux. Alors, moi je peux vous dire, je pense qu'à 97% les Français étrangers sont soit des binationaux, soit des gens qui sont à l'étranger pour leur travail, les expatriés, soit pour des raisons affectives, des raisons familiales, pour des raisons culturelles, ils ont choisi un autre pays que la France. Mais ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent la France, ça ne veut pas dire qu'ils renient la France, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas payer d'impôts en France. D'ailleurs, souvent, il y a des pays où on paye beaucoup plus d'impôts qu'en France, et on ne donne pas pour autant l'exonération en tant que Français dans ces pays. Je trouve que le sous-entendu est malsain, totalement erroné et certainement démagogique. Moi, je ne vois pas comment un représentant de l'UMP ou du PS peut représenter les Français de l'étranger, sachant que dans le programme de ces deux partis, il y a une taxation à la sortie de la France, et je crois même que certains membres de l'UMP, je ne parle même pas de l'UPS, ça fait vraiment partie de leur programme, et même des membres de l'UMP ont parlé de déchéance de la nationalité française si on ne payait pas nos impôts en France. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est d'ailleurs le secrétaire d'État aux Français de l'étranger, puisqu'il est un des signataires de cette proposition de loi qui proposait de retirer la nationalité des Français de l'étranger. Voilà, alors il l'a dit un peu avant. Ouais. Il l'a dit quelques mois avant d'être nommé. Évidemment, il s'est renié parce que de toute façon, c'est très facile, c'est une deuxième nature chez eux. De renier ce qu'ils ont dit quelques mois avant. Enfin, c'est quand même hallucinant. Alors, admettons que nous soyons élus, que je sois élu donc député des Français de l'étranger le 3 juin au premier tour ou le 17 juin au second tour. Tu sais que donc je vais beaucoup voyager, qu'il peut m'arriver des accidents, qu'il peut aussi m'arriver des promotions. Et donc dans ces cas-là, tu deviendrais le député des Français de l'étranger. Est-ce que tu es prêt à prendre le job? Est-ce que tu es prêt à devenir le député des Français de l'étranger? Absolument. D'abord parce qu'en tant que suppléant, je crois, en tout cas au niveau des idées, que si on fait équipe, c'est parce que nous partageons les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes valeurs. Philippe Carsenti est appelé à les défendre à l'Assemblée nationale. Ce sont mes idées. Il est évident qu'il ne sera pas trop difficile pour moi de défendre mes propres idées. Alors donc, serais-tu prêt à quitter ta vie à Milan et de devenir député des Français de l'étranger et venir habiter à Paris pour pouvoir siéger au Parlement? Oui, absolument. C'était juste une question piège pour savoir s'il m'arrivait quelque chose, si tu étais prêt à venir travailler ici à Paris. Moi, je suis pratiquement une fois par semaine à Paris. Alors, une fois par semaine, pas de problème.